Salut tout le monde, comment ça va? Oui, je sais que ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais bon, j'étais en train de faire plein de trucs hyper intéressants. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit extrait de ce que je faisais pendant tout ce temps-là. C'est parti! Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire un filtre Instagram. Alors, comment m'est venue cette idée? C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a quelques années pour découvrir, pour rigoler. Et là, je me suis dit que ça va être l'occasion de vous faire découvrir. Alors, l'inspiration du filtre qu'on va faire ensemble me vient de TikTok. Je sais pas si ça vous parle, c'est une application sur laquelle vous allez. Mais en gros, il y a une des tendances en ce moment, c'est de faire des jeux d'acteurs en français. Je vous mets tout de suite un extrait. Jeux d'acteurs en français, je joue la vendeuse de citrouilles qui drague. Bonjour, monsieur. Ils sont 3 euros, les citrouilles, oui. 3 euros. Vous voulez combien, monsieur? Vous voulez 5? Ok, choisissez-les et je suis à vous tout de suite. Sinon, vous pouvez me donner votre numéro, moi ça me dérange pas, quoi. Moi je suis là pour récupérer les numéros des mecs, quoi. Mes clients, s'ils sont tous beaux comme vous, je vais craquer. Le but du filtre d'aujourd'hui, ça va être de faire apparaître au-dessus de la tête un cadre avec une situation qui va être générée aléatoirement. Et ensuite, c'est à celui qui utilise le filtre de laisser la magie opérer et de laisser libre cours à son jeu d'acteur, tout simplement. Donc, je vais créer maintenant ce qui va servir de visuel avec le cadre au-dessus de la tête. Je vais le faire sur Photoshop. Et pour ce qui est de l'inspiration des phrases, je vais m'inspirer d'un compte TikTok que j'apprécie. C'est ElodieLabelle62 qui fait des situations très rocambolesques, très drôles et ça me fait beaucoup rire. Donc, je vais m'inspirer de ça et on se retrouve après. Ok, donc on a la base de notre cadre et maintenant on va faire un petit benchmark sur internet et on va aller trouver des situations. L'idée c'est d'en avoir entre 5 et 10 on va dire. A few minutes later. Maintenant on se retrouve sur Spark AR Studio qui est le logiciel développé par Instagram qui permet à tout le monde de créer ses filtres. C'est relativement simple d'utilisation mais il y a quand même 2-3 choses à savoir. Je vais tout vous montrer. 2 hours later. Et je suis de retour les amis. J'ai galéré, j'ai regardé des tutos etc. Mais j'ai terminé le filtre que je vais vous montrer tout de suite. J'en suis assez content. Alors c'est très simple, je vais vous expliquer la théorie pas à pas et ensuite je le démarre. Je démarre ! Donc ça se présente comme ça. C'est comme ça que le filtre va fonctionner, je vous explique. J'ai ajouté un screen tap, donc c'est tout simplement l'action de cliquer sur l'écran. Alors ce screen tap va déclencher le fait que le texte apparaisse. Le texte va dérouler pendant 3 secondes pour ensuite s'arrêter et ce sera une question aléatoire entre les 10 que j'ai préparés. Je vous montre tout de suite le rendu. Voilà, je joue le vendeur de chips. C'est parfait. Donc tout fonctionne super. Maintenant, dernière étape, on va essayer de le soumettre à Instagram pour que ce soit dispo pour tout le monde. Jeu d'acteur en français. Bonjour, vous voulez du saucisson sec? Et voilà, c'est fait. J'ai envoyé la demande de validation à Instagram. Ça met un peu moins d'une semaine à être validé. Je vous tiens au jus. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer que c'est assez facile à faire de créer un filtre Instagram. Suffit de trouver une petite idée sympa et ça se fait très bien en suivant un petit tutoriel. Et rebonjour, donc ça y est, le filtre a été validé par Instagram, donc vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, et je vous ai même fait en bonus un autre filtre qui vous dira quel plat en sauce vous êtes. Alors là, si ça vous intéresse pas, je comprends pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vais essayer d'en refaire plus régulièrement, je promets rien, mais je vais essayer, sur d'autres petits sujets comme ça, si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez me voir faire en vidéo, et à mettre un pouce bleu aussi, voilà, me chauffez pas. Faites-le aussi, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Salut. Jeu d'acteur en français. Je joue la serveuse désagréable. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Un Monaco? Ah bah, t'es une belle merde, toi.